Yo le village, ça va? J'espère que vous allez bien. Alors là, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et justement, dans cette vidéo, nous allons faire une vidéo réaction. Avant de pouvoir commencer la vidéo, sachez qu'il y a quelques jours, le média il a fêté ses 3 ans. Et on va continuer comme ça. Le 3 ans, c'est passé vite. Et surtout, je vais essayer de faire une vidéo spécialement pour ça. Mais en tout cas, on continue et on lâche pas. Et là, dans cette vidéo, nous allons parler. Plutôt, nous allons regarder le live de Tiakola lors de sa prestation aux Victoires de la musique. Avec son son Parapluie, qui est un son issu de son album Mello. Actuellement, l'album est disque de platine. Pour ceux qui ne savent pas, Tiakola, c'est un rappeur, notamment qui faisait partie du groupe Katkus Gang. Et après, il a décidé de lancer une carrière solo et justement, il est signé sous Wachibé, qui est le label de Dawala. Dawala, c'est celui qui a produit Section d'Assaut, mais également aussi avec Shinsekai et plein d'autres. En tout cas, on va regarder. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Les valeurs passent avant la hype, la valise passe devant la douane. Ne jamais brûler les étapes, surtout quand on connaît son toit. On n'oubliera jamais qu'on n'a qu'une vie, surtout quand on est mal. La France avait besoin de moi, j'ajoute une troisième étoile. J'en ai eu des grosses pertes, tranquille je ferai pas de constat. Devenu un moteur, que du taf jamais de non-stop. Abandonné j'ai mis trop de temps, donc avant d'aller j'ai réfléchi. Avant la nuit je me suis dit, je peux pas abandonner tous mes obstacles. Dans les bons moments je souhaite la santé, aujourd'hui ça devient un problème. Mais faut détendre l'atmosphère, car y'a pas mal tout est sur les autres sphères. Bien ressentir ce que je pensais, j'aimerais bien revoir tout ce qui s'est passé. L'avenir est déjà tracé, ne sois pas surpris devant la transat. Pas un mot. Il va l'y trouver, c'est du survie. Pas besoin de faire un movie. Ça débite toute l'année sous Covid. Et ceux qui pensent qu'on a les dévies, t'inquiète pas, on reçoit des devis. Devant la police, devient novice. Je suis le Real Madrid, tu le Nevers. C'est vrai qu'on s'arrête plus. Le gamo, c'est rapide. Des horribles débats. J'ai déjà prévu mon parapluie. C'est vrai que parfois on s'est raté. Souvent on s'est retenu. Avec vu mettre la bague. Mais je suis resté sur mes appuis. J'attends pas tout ça pour qu'on respecte moi. Et pour notre bien. Les gars, franchement là, franchement c'est déjà même le décor, tout ça c'est beau. En plus ça rime avec le son. C'est non franchement c'est non le gars il est fort. Hein. Franchement le gars il est fort. Et quand t'écoutes un peu, t'as l'impression d'écouter, t'as l'impression il y a un peu de comment te dire, genre de musique ivoirienne en fait. Tu vois, il y a t'as l'impression il y a un peu de Zouglou. Stop les restes, loin de moi. Au final, je dois te compter sur moi. Et pour notre bien, stop les restes, loin de moi. Au final, je dois te compter sur moi. Souvent, on s'est raté. Veulent me faire la vie, je veux pas leur faire. Rien à foutre, je suis pas des leurs. Que des biches en caractère. C'est dans la tête, c'est salutaire. J'arrive avec un nouveau geste pour faire du bruit dans le stade. Ils disent que ça les dérange quand tu fais pas de stade. Ils croquent la pomme, laisse les croire, ils font pas le poids. Toutes les blessures sont dans le dos, tous les outils sont dans le coffre. Fais gaffe à tes talis, car c'est toujours le proche, lui qui t'offre. Je parle même pas de ceux qui doivent. Tous ces sous et font la teuf, essaye de temporiser. Et je me sens pas chez moi, dehors il pleut, il faut rien laisser. Mais j'ai coffré mon parapluie. Ah ouais. Va... Ah c'est la pluie. Ah ouais, quand même, ils sont forts hein. Choqué, au mieux que tu restes sur les prix soldés. La récompense, tu vois, la petite a sorti décolleté. Pas d'humeur sur mes soldats. C'est vrai qu'on s'arrête plus. Le gamo, c'est rapide. Le horrible débat. J'ai jamais vu mon parapluie. C'est vrai que parfois on s'est raté. Souvent on s'est retenu. Avec lui, mettre la vague. Mais je suis resté sur mes appuis. J'attends pas tout ça pour qu'on respecte moi. Et pour notre bien, stop et reste moi. Au final, je dois que compter sur moi. Et pour notre bien, stop et reste loin de moi. Waouh! 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 Franchement, là, eh, le son, déjà rien à dire. Mais déjà, l'artiste en lui-même, Tiakola, franchement, il est fort.
que je sais pas si c'est un rappeur, si c'est un artiste, mais le mec il combine un peu des deux. Et franchement, je comprends pourquoi. Pourquoi on disait. Franchement, honnêtement, c'est. Lui et Gazo, comme je disais, en 2022, c'était les deux qui ont pété. C'était leur année, franchement. Mais là, en plus, dites-vous, c'est que le début. Et en plus, la combinaison Gazo et Tiakola, franchement, dans tous les feats qu'ils faisaient, ça passait nickel. Ça passait nickel. Mais là, en fait, où j'ai été déçu, c'est pourquoi il n'a pas remporté le prix. Il méritait largement, en fait. Il méritait largement. Mais bon, après les victoires de la musique, voilà, il y a. En général, c'est. Par rapport aux rumeurs, etc., t'as l'impression qu'ils voient le rap comme une sous-culture. Et le pire, c'est qu'on va dire la vérité, mais en France, ce qui rapporte le plus, c'est le rap. Hein. Que vous, c'est pas le rock, c'est pas la musique classique, tout ça. Non, c'est vraiment le rap qui rapporte beaucoup en France. C'est ça le pire. Mais là, avec Bouscapé, Yard, ben déjà, ils vont faire les flammes. Et là, franchement, on espère qu'ils vont respecter le public. Quand je dis respecter le public, c'est surtout les artistes. Là, on espère vraiment que les gens vont donner de la force. D'ailleurs, même, il faut donner de la force à ce genre d'événement. Parce que ça sera leur premier événement. Mais là, franchement, là, franchement, c'est lourd. Hein. Déjà, un truc comme ça, je pense que ça va dépasser les victoires de la musique. Si tout le monde met du sien, ça va vraiment dépasser les victoires de la musique. Parce que je crois que le seul rappeur qui a été récompensé, c'était qui? Je crois que c'était Damso. Ou je crois qu'il y avait un autre rappeur aussi qui a été récompensé. Mais sinon, par rapport à la prestation de Tiakola, ouais, franchement, rien à dire. Lui, c'est un artiste, il est complet. Déjà, il a une belle voix. Et en plus, quand t'écoutes ses sons, t'as l'impression de. Comme je disais tout à l'heure, t'as l'impression d'écouter un peu de musique ivoirienne. Les vrais savent de quoi je parle. Mais ouais, franchement, le mec, il est pas mal. Et puis, déjà, je vous invite à écouter son album Mello. Mais franchement, je comprends pourquoi Dante il a voulu se lancer une carrière solo. Parce que vous savez, des fois, les histoires de groupe, c'était comme 13 blocs. 13 blocs, les 4, ils étaient bien avec Blo. Le 1, bon, j'ai plus aimé le 1 que le 2. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'annonce que finalement, il n'y aura pas Blo 3. Il y aura. Voilà quoi, chacun se va faire de son côté. C'est ça, en fait, le souci avec les groupes. C'est que des fois, c'est bien. Des fois, ils cartonnent. Mais à un moment donné, ils cartonnent encore plus quand ils sont solo. Mais concernant Tiakola, ouais, le mec, il est fort. Hein, franchement, rien à dire. Hein. C'est même récemment, il était dans le feat. Ouais, il avait fait un feat avec Aya Nakamura. Il était dans l'album d'Aya Nakamura, DNK. Et ouais, franchement, le gars, c'est. Non, rien à dire. En tout cas, donnez votre avis en commentaire. Que pensez-vous de Tiakola? Sur ce, on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Et ciao. Allez, peace. Bye bye.